Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. On est avec Gelden et Damned. Salut tous les deux. Attention au piège! Attention au Hello! piège! Là, du fer! Je ne peux pas aller le chercher. T'es bon. Non, je ne peux pas. Je suis bloqué 2 mètres devant. Maintenant, oui. Alors, il faut qu'on Alors. aille à la prison du coup, se débarrasser de Ouais. cette nullité qu'on a chopée. Mais on a aussi une quête juste à côté là, hein. On a Eh des bien, tueurs qui faisons. doivent être planqués dans la forêt là. L'escouade Bon. d'Arnaon. Ouais. Je propose qu'on aille d'abord à la prison, des fois qu'on arrive à choper un gars intéressant. Ok, bon allons-y. On n'est pas Elle est pas pressé loin la alors. prison? Non, elle est Ouais, pas elle est loin. pas loin. Ah, elle est un peu plus loin que la quête quoi. Mais ça va. Ça c'est pas un truc à ramasser, Trouver. c'est un coin de pêche, ouais. Choper le bois. On n'a pas de péchu. On a Ah. le prisonnier qui est pêcheur éventuellement. Ah, oh, des sangliers si vous voulez. Ah bah oui. Chope-les! J'y vais. Dans le dos, dans le dos, dans le dos. Oui. Une laie dominante! Ah, ça va peut-être être un peu plus sportif que les loups. On peut aussi capturer Les laies les sangliers. dominantes. Mais c'est au combat, c'est moins intéressant les sangliers. Ouais, mais on peut les charcuter. Ouais, faut Alors moins cela dit, charcuter. la laie, elle a Là, moyen. ouais. Alors il faut faire gaffe, il y a un piège, quoi. Hein. Ouais, ici, là, juste là, je le marque, là, il y a un piège, là. Juste là, à côté du sanglier, vous voyez, le sanglier, là, il va jouer, et là, il y a un piège. L'annonce en avance, hein. Y en a un là aussi. Et derrière, là, tout derrière, il n'y a aucune raison de marcher dessus, parce que c'est derrière, il y a un piège, là. Moi je dis, il y a toujours une raison d'y aller. En plus, il se met bien devant avec Malvinette, parfait. C'est ça. Alors, du C'est pour coup. laisser la laie dominante. Elle gira. Ah merde. Non, elle agit tard, j'ai l'impression. Je vais peut-être foutre un genre un couac derrière là pour tanker un peu. Bah sinon Avec l'aide du tu. Ah loup. oui. À Il côté du y a plein loup. de boue là, donc on va tenir cette ligne là avec le loup, je pense. Ok. Tu veux. Et je vais chercher le premier sanglier qui joue peut-être. Oui, Hop, vas-y, on va vas-y, mettre bah, comme va le ça. chercher. Tac, tac. Au Quand vous êtes boulot! placé, c'est C'est bon. bon, c'est bon, vas-y. C'est bon. Allez, je vais me mettre bien devant, comme ça gênera pas les éventuels bourrins qui voudraient taper derrière. Hein? Il dit qu'il voit pas de qui tu parles. On les connaît, hein? On les connaît! Quick. Ardarine. Tu commences à DPS, hein, Ardari, hein? Oh Oh non! Oh non! Mais non! À quoi le petit Damned passe-t-il son temps? Ah Mais rien. quel enfer! Ça te va si je vais tanker celui-là, Gaelden, comme ça tu peux choper les deux après? Tu vas les choper tout de Enjoy. suite et du coup tu vas te faire engager. Vas-y, vas-y. J'ai trouvé ma voie, je vais ouvrir une société d'animation de streaming. Je rejoins vos lives et voilà. Je vous propose des petits sons. Ah, tu rigoles, Voilà. mais toutes les semaines sur Twitter, je me fais suivre par des comptes de personnes qui font des avatars ou des emojis ou des trucs Ah! Ouais. Ouais, bah pour les bon. lives. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Même la laie, elle va pas marcher sur le piège, quoi. Non. Ou alors faudrait mettre quelqu'un à gauche pour la tirer, mais je suis pas sûr que ce soit. On a 2 points. Allez. Ah Oui, oui. vas-y, mais une petite tatane diminue le DPS. Hein. Bim! Voilà. Là, franchement, ça mérite. Hein. Comme ça, ils ont tous fureur, ils vont tous nous défoncer. Bruit. Ah, Et ils ont moins de mouvement que les j'ai loups, pas c'est un son bizarre. pour chaque situation non plus, hein. Il t'en faut un pour le loup aussi. Allez, attends, ils débutent, hein. Pour le moment, c'est pour Ardarine. Franchement, il mérite bien d'avoir son petit son. Allez, vas-y, mets-toi derrière moi et colle une lance là. C'est ce que je comptais justement faire. Allez. Oh, c'est Ouh! nul. Aïe! C'est nul. Bouh. Voilà.
Ah, tu tapes aussi fort qu'un sanglier, bravo. C'est pour ça, c'est ce que je dis, bouh. Bon, est-ce que tu peux aller foutre une tatane sur les deux qui sont en tas, là, Malvinette? Non, en fait, je voulais attendre que l'allée se soit rapprochée. Qu'elle bouge, qu'elle tape sur le signe. Et ouais, histoire de faire du zonage avec l'allée. Du coup, Malice pourrait mettre une petite flèche sur l'allée pour l'entamer. Hein. Oui. Voir, tiens, tu pourrais même mettre une zone genre barrage. Comme ça, là. Ouais, barrage, pourquoi pas. Ouais, ça peut se faire. Bah, en vrai, je peux venir là, je peux aussi achever le sanglier et faire un barrage. Fais gaffe, si tu te mets là, c'est toi qui vas aller chercher l'allée. Ouais, bah, je te dirais, va te caler ici, si tu peux. Ouais, mais par contre, j'ai du monde devant moi, donc ça va tirer des flèches à gogo. Hein. Enfin, ça va. Ah, avec le barrage. Avec le barrage. Suppose. Tu peux pas te coller juste derrière Darin? Parce que normalement, si tu te colles juste derrière lui, tu. Je pourrais en faisant une course. Ouais, c'est un peu dommage. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas grave, ouais, au pire. Mets-toi juste à côté de Damned, là. Ouais, c'est ce que je comptais faire, moi. Je comptais me mettre. Pas trop avancer pour qu'il y ait une place pour que l'allée vienne me chercher, moi, si elle a envie. Ouais, y a quand même. Ouais. Ouais, bah, si après au pire elle te met un coup, c'est pas la mort. Non. Vous voulez pas que j'achève. Donc j'achève pas le sanglier, je tire plutôt. Bah si je tire sur le sanglier, Peut-être que si, parce que l'allée, coup critique assuré si la cible est déjà engagée avec un allié, donc du coup si elle me tape, elle va me faire un coup critique. Donc peut-être qu'en fait finir le sanglier c'est pas déconnant quoi. Ok. Parce que coup critique avec la fureur. J'ai une chance de toucher le cul hein, mais bon ça va le faire. Ouais, j'ai confiance. Et un petit barrage. Voilà. C'est fait. Bravo. Ouh, 21 propre. Ouais, non, c'est. C'est pas mal. Et un deuxième. Allez, bim. Je sais pas si le tir de barrage il a pas une chance de toucher automatique en vrai. Ah, je crois que c'est 100%. Alors, du coup, pas d'attaque de zone, mais tu peux quand même aller le finir l'allée, je pense. Bah, tu fais une attaque d'opportunité en fait, donc tu fais plus mal. Tiens, et du coup, le dernier sanglier viendra sur moi. Ouais, c'est tout. Elle doit avoir le truc qui fait 50% de résistance là. Hop. Allez, 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 non, ça fonctionnera pas. On avait du point à dépenser, non? Ouais, c'est pas grave. Par contre, Gaëlden, il va pas pouvoir taper sans toucher le loup là. Ouais, bah j'attendrai un peu. Ou sinon, on attend que. Bah, de toute façon, c'est. Bah, à la limite, est-ce que Damned ou Malice peut venir le terminer? Non, il va crever du saignement. Ah non, attends, je vais faire un courroux. Non, c'est bon. Ah oui, tu peux lui faire un courroux, ouais. Oui, parce que de toute façon, il crevait du saignement, mais c'était à la fin de son tour. Et ensuite, je me déplace, et ensuite, je tape. Et là, Malice te tire dessus. Ah mince, le tir de barrage, ça comptait aussi pour les alliés. C'est ça. Tout ce qui passe dans son champ de vision, elle tire. Ah, c'est propre. Tu peux même lui mettre un impact empoisonné, il nous reste du point si tu veux. Ouais. En vrai, je sais pas si l'XP c'est quand on tue ou si c'est partagé. C'est pas bien, c'est partagé de toute façon. Ouais, parce pense, que t'es level combien là, Gaëlden? Je suis level 4. Ouais, donc t'as une avance, mais c'est pas non plus monstrueux quoi. Alors que tu fais quand même la majorité des kills. Et je suis au début du niveau 4, hein, donc. Petit niveau pour Malice. On commence à être bien en cuir là. 11, ouais, c'est bon. Du porc, encore de la carcasse. On s'en fout des carcasses. Mais tu sais quoi, je crois que je vais quasiment toutes les passer lors du prochain repas, comme ça. Bah, ça tombe bien, faut qu'on campe et on a pu. On n'a plus du tout de matériaux. C'est un petit peu la merde. J'aimerais bien tenter de pêcher juste histoire de. Tu vas où, Damned? Pas.
Ouais. Non, je bougeais pas, excusez-moi. Je vais remettre le... Alors attends, ah, on c'est, se c'est calme. C'est bugué ou quoi? Mes persos sont buggés en fait, je ne fais rien, ils bougent tout seuls. Il doit essayer de nous suivre, un truc du genre. Allez, on va pêcher un peu avec lui. Oh. Ah mais on n'a pas d'hameçon. Moi j'en ai. Bravo, la rétention quoi. Ah non mais c'est comme on n'avait pas de pêcheur, je faisais en sorte que... Ouais, ah oui, bah c'est vrai, sûr, on a la mouche ouais. En plus. Oui, on avait dit qu'on faisait en sorte d'éviter que quelqu'un le revende par erreur. Et d'éviter d'avoir un... Comment ouais. Un inventaire partagé avec trop de bazar. Comment ça marche? Point d'interrogation ou... Il faut que tu appuies, il faut que tu cliques. Il faut que tu gardes cliquer ah, en oui, fait. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Il faut que... Rester au centre. Okay. Et c'est un échec. Ah oui, d'accord. Afficher l'aide. Utiliser vos hameçons pour lancer une ligne. Une fois la prise ferrée, laisser... Ah, il faut laisser appuyer, d'accord. Voilà, il faut laisser appuyer. Ok. Mais il faut pas trop laisser appuyer pour... Ouais. Voilà, c'est d'accord, oui, ok, je vois. J'ai. Allez, c'est un échec. Champion. Ah bon? Oui. Ouais, je crois que ça, c'est sorti au tout, juste au dernier moment, c'est sorti. C'est chaud. Bon, ouais, j'avais fait un 3 sous 3. Un petit clap-clap de bébé. Hein? Ah oui, petit clap-clap. Oui, bien sûr. Il arrive, il est là. Et de deux. Et du coup, on sait qu'il y a 3 perches à récupérer et après, c'est fini, quoi. Sur chaque spot, en fait, t'en as 3. Attends, on se croirait dans Zelda, quoi. Un brochet. Mais quel enfer. Mais faites les taires. Mais les gens, vous le savez très bien que les gens, ils vont adorer ça. Pense à virer l'équipement du gars qu'on va refiler à la prison. Ah non, mais il a rien, de toute façon, il est à poil. Hein. Ouais, non, il a des chaînes. Mouche. Il a des chaînes, voilà. Si tu veux. Ouais, je rachète du sel. Je peux pas lui enlever. Oui, parce que sinon... Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? On peut pas faire des boucles de rechange? Ah bah non, on a plus de matériaux bruts. On a du cuir, mais on a plus de matériaux bruts. Bah surtout, on a pas besoin des boucles de rechange. Bah si, pour l'armure lourde de... Ah, c'est l'armure lourde. C'est le truc d'armure lourde, ouais, on l'avait pris pour ça, justement. Ça, cela dit, c'est verrouillé. Ah non, il faut que je sois confirmé pour le faire. Bah du coup, je vais m'entraîner en faisant un petit peu de... d'hameçon. Hop, voilà. Dumson, tu veux pas plutôt faire des crochets ou des pitons? J'étais en train d'en faire des crochets, c'est bon, oui. Hein, ça suffit un peu. D'accord. Piton. Chef, oui, chef. Je vais en faire un déjà, ça sera bien. En plus, il faut pas qu'on en ait un par groupe, non? Ça suffit qu'on en fasse un seul? Ouais, ça peut être partagé, le piton. Non, mais genre, si on en fait un, il y en a un qui le plante dans le sol et derrière, les autres peuvent l'utiliser? Non, en fait, ça reste. En fait, tu le plantes dans le sol en haut de la montagne. Ah oui, et après, ça et reste... Une corde, okay. Et ça reste, et en fait, tu peux emprunter soit la corde, soit le piton, pour monter ou descendre. D'accord. Ça vous va si je débloque l'atelier plus? Ah oui. Ouais, vas-y. Je trouve que c'est bien, il faut améliorer les équipements aussi du camp. Hein. Plutôt c'est fait. Et en plus, a priori, on peut le faire. On peut le faire, ouais, tout à fait. On a alors, il me faut du cuir et du bois. Du bois... Du cuir, il faut 100 couronnes par contre. Hein. Donc on pourra pas payer la. Si, on peut, puisqu'on a solde Toto du 87. Ah c'est merde. Pour tout le monde maintenant? Ah merde! Ça passera pas, non, ça passera pas. Ouais, bah on le fait pas alors. il faut qu'on paye la. Ouais, il faut qu'on paye, on fera au prochain coup, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'autre que je peux faire éventuellement? 48 hameçons de pêche, non. Je peux faire une table de stratégie. Ouais, c'est pas mal, table de stratégie. Ouais, je regardais, ça demande pas de thunes. Mais alors, c'est juste qu'il faut mettre le capitaine dessus. Ouais, il faudra mettre le capitaine dessus. Le capitaine est libre. Alors du coup, dans l'inventaire, ouais, non. Et tac, je vais me mettre dans la tente. On est maxé en. Comme on est maxé au niveau du bonheur, ouais. On va essayer de faire un peu de points de bravoure. Voilà.
Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Le signe qui un... planifie. Malice, tu peux la mettre dans la tente d'Anna. Ah oui, pardon. Oui. Hop, voilà. Ouais. Et alors, il y a un buff à choisir. Moi, je propose de... Je pense que encerclement c'est plus efficace que support ou opportunisme. De quoi il y a un buff ou ça? Comment? En fait, sur la table de stratégie, tu fais un clic droit. Ah oui, je peux l'utiliser, d'accord, effectivement. Je pensais que c'était juste un bonus passif comme les autres. Alors, ouais. D'accord, je peux choisir un truc. Alors, opportuniste, dégâts des dégâts d'opportunité augmentés de 10%. Ouais, il n'y en a pas des masses. C'est ça. Augmente le bonus apporté par supporté de 10%. Ou alors augmente le malus provoqué par encerclé de 10%. À mon avis, il vaut mieux encercler. Ouais, on est plutôt tendance à être encerclé, ouais. Avec les animaux là. Allez, prenons ça. Sélectionner, je sélectionne juste et ça fait rien d'autre, ok. Ouais. Et ensuite, on peut faire 2-2. Attendez, parce que. Verser la solde, ça donne du bonheur et un bonus d'XP. Oh, cool. Ça me... J'ai passé le niveau de malice et j'ai toujours la flèche en haut à gauche, les points d'aptitude. Ah putain, et non mais. Je comprends pas. Il faut cocher verser, ok. T'as de l'XP et une compétence supplémentaire peut-être. Bah ouais, mais les niveaux 4 et je suis niveau. C'est au niveau 3 et au niveau 5, la spécialisation, donc je peux pas la. Je peux rien faire. Il reste pas des compétences à prendre? Des points, ouais. Des points de caractéristiques. Ouais, c'est bizarre. Non. Attendez, je suis pas fou. Hein. J'ai passé son niveau. J'ai mis 2 points dextérité sans claquer en plus de trucs parce qu'elle les avait. J'ai fermé. Ça a bien validé. Et j'ai toujours la flèche. Les points d'aptitude vous permettent d'améliorer les attributs de vos compagnons. Sauf que je ne peux plus en caler. Après, t'as toujours la flèche, mais est-ce qu'elle clignote? Non, elle clignote. Ah non, elle clignote pas. Ouais, sinon elle reste là, la flèche, ouais. Ah, j'avais pas calculé. Ouais, exact. Pardon. Everything is ok. Il faut que tu valides le dodo. Ouais, pardon. Ah, excusez-moi. Bah, laisse-lui le temps. Bah, les exploits de Gaelden font qu'il sera désormais appelé Gaelden le coup d'agile. Il obtient un point d'attribut. Parce que t'as consommé de l'alcool pendant 10 jours, quoi. Le coup d'agile. Le coup d'agile. Allez, 2 points de force en plus. Un peu plus de dégâts. Le coup d'agile. Le coup d'agile, ouais, c'est abusé ce nom, quoi. Ah, mais faut le voir faire, hein. Il a un sacré coude, hein. Quand ah oui, le comment bouton, ça descend. Encore. Ah ouais. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Il est pas content parce que tu tues trop d'ennemis. Le mec, jamais content, quoi. Putain, non mais... Sans déconner, quoi. Revivre cet instant de gloire et de puissance. Est-ce que je peux... Il y a encore Malvinette qui suggère des trucs. On peut se faire de l'influence. Ouais. À la limite. Ouais, l'influence, ouais, je pense qu'au niveau XP, il est déjà bien avancé. Hein. Parce qu'on a un lieutenant à prendre aussi, qui coûte 100. Ouais. Oh là là. Bah tu veux prendre le lieutenant avec Gaelden? Oh bah, tu peux, hein. Alors le lieutenant, ça donne une compétence qui permet en fait à ceux dans la zone. Quand tu l'actives, ça leur donne un buff pour tout le combat qui fait qu'ils génèrent 2 points quand ils devraient générer 1 point d'aptitude. Donc il faut effectivement que ce soit quelqu'un qui se balade pas mal. C'est pas le même genre. C'est le capitaine, c'est du one shot, tandis que le lieutenant, c'est sur la longueur. Bah, je peux. Donc, de toute façon, il faut que ce soit quelqu'un qui soit au centre, quoi. Oui, bah de toute façon, vas-y. Mais faut que tu sois engagé ou un truc du style? Ou genre on peut le faire dès le début, on se met tous en tas autour, tu le lances et... Tu peux faire ça. Sauf que c'est rare que tu regroupes tout le monde. Ouais, bah c'est vraiment pour se servir de la comp, quoi. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que Gaelden, il est plus mobile que les autres, globalement. Ouais, non, mais ça me va, moi. Ok. Gaelden, le coup d'agile. Notre lieutenant, c'est un pochetron, les gars. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai le titre de l'épisode, là. Ah putain, bon, allons filer l'autre tanche à la... Ah, comme d'hab, hein. On donne du pouvoir à n'importe qui. Hein. Incroyable. Allez, arrête de picoler, t'es trop éloigné, là, Gaelden. Eh, c'était pas moi le plus éloigné.
Ça me disait, les compagnons de Gaelden sont trop éloignés. Alors, livrer un prisonnier, rechercher moins 20. C'est quoi cette récompense de merde? T'es sérieux? Attends, bah... Ah non, attends, 70 bah... balles. Non, non, 70 balles. On peut piller avant. On peut voler, du coup. Hein? Ah, tu veux je vais voler pour prendre du soupçon. Ah oui, tu veux qu'on vole un tranquille, admettons. Vole une chaîne et on recommence. Le chloroforme. Chance d'assommer un ennemi augmentée de 15%. Fiole, eau de vie, tissu, ça se fait, hein. Ouais. Petite recette pour l'alchimiste. Ouais, tu me diras. Je suis pas sûr qu'on en fera beaucoup, mais... Bah, c'est si ça dépend, si c'est un passif, genre comme la mouche, on le fout dans l'inventaire et... Oui, c'est ça. C'est pas inconsommable, donc... Ouais, c'est vrai. Ça coûte rien, hein. T'en fais 4, on en fera chacun un dans l'inventaire, et puis voilà. Non, non, c'est... Ça sera un truc à équiper, je pense. Ah bah, faut voir. Je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer. Mais au pire, ça fait de l'XP pour l'alchimiste. C'est pas si répandu les trucs d'alchimiste. Ah, le lieutenant Gaelden, le coup d'âge, est devenu voleur confirmé. Il faudrait qu'il ait les doigts agiles et pas le coup d'âge. Ah non, je crois qu'il faut que ce soit moi qui parle. C'est toi qui dois, ouais. Non, ça fait chuter les soupçons, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Peu, ouais. De moins 20, ouais. Et ça nous fait 70 balles. Ce qui est pas mal, hein. Il nous reste des chaînes, du coup? Moi, j'en ai une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Un rôdeur, c'est bien ça, les rôdeurs. Sauf que c'est dommage, il a... Ah bah ça, c'est notre braconnier qu'on vient de livrer, donc on va pas le rembaucher. Il a promis lâche, son... Ouais. Confiant, ah, c'est carnivore con, et lâche. Les rôdeurs, ils ont premier soin, c'est dommage, parce que il leur faut courroux. Ouais, c'est vrai que... Ah, il y a un loup. On peut recruter un loup. Un loup végétarien. Il est où? Ah ouais, il ouais. Est tout là, ouais, tout en bas. Végétarien et alcoolique. Végétarien et alcoolique. Mais non, mais attends, mais il est végétarien et carnivore. C'est n'importe quoi. Ah la recrue parfaite. C'est quoi ce truc? Végétarien, alcoolique et carnivore, mais c'est quoi ça? C'est à mon avis, il faut peut-être le report, ça. Franchement. J'avoue. Oh la vache. Tu screen Damnet, t'enverras ça à ton contact? Ouais, je peux. Tu peux me dire ouais, ok, mais je vais lui fouiller quand même. Putain, ils sont nuls les mecs là. Lâche et feignant quoi. Ouais. C'est con, les rôdeurs, moi j'aime vraiment. Je trouve ça vraiment très fort. Mais genre, oui, et après, comme dit Chobiti, ils sont en tôle, ils se sont fait choper, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit des flèches quoi. Et puis de toute façon, je crains qu'on n'ait pas assez de thunes pour les recruter. Ah si, attends, je peux revendre... Je me demande pourquoi c'est fait choper le loup quand même. Hein. Je vais revendre nos merdes. Alors, j'ai... qui peuvent être revendus. J'ai une masse à une main, ça sert à rien. Attends, j'ai des babioles moi, j'avais gardé les babioles. Vas-y, tu sais déjà, tu peux le revendre. Masse à une main, on revend. Hein. Franchement. Ouais. Regarde, on a 240 balles, c'est bon là. Couteau de lancer, je garde. Par contre, le hache de lancer, je vais revendre, je propose. J'ai un couteau de lancer empoisonné en plus. Couteau de lancer empoisonné? Ouais. On avait looté ça sur un mec. Lancer, je vais revendre. Tac, 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 tac. Achat de main de la fraternité. J'aurais peut-être dû garder ça. Ouais, c'est pas grave. L'achat de main de la fraternité, c'est peut-être garder qui fait. Ouais, qui augmente les dégâts si la personne n'a plus d'armure. Ça, c'est pas mal. Si jamais on chope un guerrier. Un guerrier un bon avec une achat un bon de guerrier main. qu'on mette en mode DPS plutôt que. Je vais garder quelques trucs pour que je les démantèle quand même, hein, parce qu'on va faire le... Là, on est bien niveau thune, hein. On a 300 thunes. Hein. T'as raison, ouais. Ok, bah, on part là-dessus. Bon, et puis on va recruter personne, ça coûte combien? Les recruter, c'est... 216. 216, ouais, no way. Bon, franchement, 216 pour ça, non. On trouvera quelqu'un de bien en ville. Alors, il faut juste faire gaffe aux patrouilles. Ouais, et faire gaffe aux petits nuages de fantômes qui viennent apparaître, là. Ouais. Oh, si peu. C'était par là qu'on allait en plus. Ouais,
Et en fait, on peut aller chercher un... Bah typiquement, ouais, ce sera bien pour aller choper... Tu veux rentrer dedans, Gaëlden? Non, non, je vais aller sur le bord, sur le bord, sur le bord. Hop, 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 hop. Ah, je suis Keblo. Moi, je suis aussi, je me vois même pas, là. Cours, 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 cours. Non, t'es coincé, cours. C'est bon, ça s'en va. Ok. Alors, on va aller tout au nord. Et on va aller choper justement un gars de plus. Tiens, là, ah oui, on, puis on a une quête à faire. Ouais, il y avait la quête, ouais. Qui était dans... Bon, d'abord, on va aller choper un gars de plus. Ok, si tu veux. Justement, un bon guerrier qui tape, qui déboîte bien. Si tu veux, mais nous spoil pas tout non plus, hein. Exactement. Allez, tu vas voir qu'il déboîte bien. C'était quoi ce bruit de sanglier? Ah, attaque surprise. Viennent d'attaquer. Eh ben, j'étais même pas conscient que je faisais une attaque surprise. j'ai été surpris de faire une attaque surprise. Surpris par l'attaque surprise, quoi. Efficace, le mec. Il a le coup d'agile, hein, mais... Ok, on a une lait encore, des petits sangliers. Ils sont 6. On les voit pas tous. Ouais, il doit y en avoir dans le brouillard là. Dans le brouillard là, ouais. Hop. Ils sont combien? J'ai pas fait gaffe. Ils sont 6. 6. 6 aussi sont secs. Avec les animaux et le signe, on va se charger du groupe du haut là. Non, vous voulez taper dessus aussi. Ok, non, ok. Non, je peux me décaler, hein. Ok, go. C'est qu'il y a de la boue après partout, c'est chiant. Ah, et puis il y a peut-être des sangliers derrière. Ah, je reste là. Moi. Ouais, parce qu'on le voit pas, on les voit pas ceux qui jouent en premier. Là. Ouais. Allez, le signe, va éclairer un peu. Voilà. Là, voilà. Alors, là. Typiquement. Oh, ennemi engagé 30, le signe noir à le mur. Ah bah excuse-moi, hein. C'est plus classe. C'est que un le peu plus classe. Je vais te la corde. Il est au mur. Est-ce que je prends une protection? Non, ça sert à ça, vaut pas le coup. Ouh. Tiens, bah voilà, c'est pour Quack. Ok, c'est la lait qui joue après, elle va certainement chercher Quack aussi. Ouais, j'ai raisonné après. Et en haut, l'autre va chercher le signe sûrement. Donc, bah, c'est peut-être l'occasion de mettre une petite flèche tranquillou, sans risque, avec malice. Sûr. Un truc que tu peux toucher sans blesser. Peut-être lui en haut là, si tu t'approches pas trop. Y'a pas un délire que si tu te fais attaquer par la lait et que t'es. Et que t'es engagé, si, elle fait un coup critique automatique, mais ça m'étonnerait qu'on puisse tuer celui-là avant qu'elle joue. Enfin, non, mais non mais en faisant un coup de flèche, je peux le repousser. Ah, c'est vrai. Ah oui. Bien joué. Belle compétence et tactique. Voilà. Bien vu l'aveugle. Donc on peut tenter ça. Je pense que ça te touchera pas si je me mets non, là. Non, si tu te colles, normalement, ça annule les chances de toucher. Hop, et normalement... Voilà. Bien wège. Quel talent. Ah, écoute. Quelle utilisation judicieuse de ses compétences. Voilà, du coup, c'est de la merde. Un petit 5. Ouais, elle t'aurait pas non plus fait énormément de dégâts, mais bon. Bah quand même, hein, un coup critique. Sagement l'utile à l'agréable, donc voilà. La question, c'est, elle est déjà engagée avec un allié, ok. Donc là, elle m'a engagé, mais du coup, elle génère pas automatiquement des critiques elle-même, quoi. Bon bah là, je vais zoner. Ouais. Ah, faudrait pas qu'elle puisse. Eh, y a le sanglier qui joue là, je pense pas qu'il puisse venir encore là, si. Non, il peut toucher personne, mais il pourrait venir éventuellement en groupe et faire une cible de plus à toucher, mais. Ah non, mais oui, de toute façon, je demande alors que je peux le consulter moi-même. Non, il peut pas. C'est-à-dire que je peux jouer mes deux persos quand ce sanglier là aura joué. Ouais, histoire de faire masse de dégâts. C'est ça. Ouais, je pense que là, Damned, il peut les mettre des petits coups de lance en haut par exemple. Ouais, non, plutôt ouais. Plutôt en haut, comme ça, le sanglier du bas, il aura peut-être tendance à stack avec l'allée. Colle-toi pas trop, ou alors, ouais, sur celui que moi, ouais, j'engage. C'est ça. Ah, tiens. Et bim. Ça a pris, et ouais, j'allais dire, on a des points. Est-ce que tu penses que le sanglier va venir? Si, attends, tu sais quoi, vas-y, ça mange pas de pain.
Oh là, allez, c'est pas grave. On verra bien. Alors Darin il a pas peur, il engage le sanglier. Dommage. Oh, le pauvre. Et le loup il vient lui lécher les fesses apparemment. Le loup il est un petit peu coincé. Du coup il va falloir que bah, je joue avec Quack pour laisser tes deux persos jouer. Ouais. Allez, frappe. Ouhou. Bon. Ah merde, dommage. Ah, et il s'est planqué dans le brouillard en plus. Bon, cela dit, il doit être à portée, si tu te mets genre par là, tu dois pouvoir toucher les deux. Mais... Oui. Mais je pense que tu peux avoiner l'allée. Hein. Attends, je vais... Tu veux... Attends, je vais activer la compétence de lieutenant. Tac. Tac. Ordre tactique. Ordonné. Ordonné. Cette unité génère le double de points de bravoure. Ok. Hop. Par contre, ça te le met pas à toi. Non. Ah, intéressant. Personne est mort, mais ça fait mal. Après, il va encore nous faire de l'introspection là. Oui, non, non. C'est moi qui fais tous les dégâts. Hein, et si le signe était pas là pour encaisser, hein. En plus, j'ai un coup d'agile. Y'a personne qui est capable de tenir ma descente. Je me fais chier dans ce groupe. Ça fait un peu en mode Naël Buck quoi. C'est le nain dans Naël Buck. Ouais. C'est totalement ça même. Ouais. En plus, il me pique mes niveaux. Bim. Oh, le coup de pied dans les fesses pour achever l'ennemi, c'est quand même sale. Hein. On aurait pu essayer de la capturer d'ailleurs, l'allée. Non, elle se capture pas. Ah, elle se capture pas l'allée, dommage. Oui, on a essayé et ça n'a pas fonctionné. Un nouveau round commence. Allez, le signe il peut prendre un kill là. Non, trop de PV. Trop de PV. Il peut faire une petite motivation des troupes. Voilà. Avec nos amis les animaux. Ouais. Allez, cramez vos points. Faites-vous plaisir. Vas-y, Damned. Oh bah ouais. Alors est-ce que je compte. Qu'est-ce qu'il joue? C'est le sanglier qui est engagé. Ouais, c'est le sanglier qui tape sur Ardarin, ouais. Il tapera sur Ardarin. Bon, y'a peu de chances que Damned puisse le tuer. Hein. Non, je vais plutôt faire celui-là. On va le continuer. Et on sait qu'il y en a un autre là, donc tu peux mettre ton mur de lance si tu veux, ça les empêchera de venir. Même si je pense que Gaelden va se pointer derrière et. Non, je. Et faire sa magie. Non. Non, j'ai pas envie. Non, voilà. Vous pouvez crever, démerdez-vous. Là, je fais la grève. Ah oh, putain. Il dit ça, mais pas pour s'en empêcher. Vas-y, Malice. Alors, attends. Je vais voir un truc. Hop. Ouais, alors je vais faire ça. Eh, on le voit pas, hein. Il est et bien planqué, voilà. Hein. Pouf. Bien joué. Bah oui, parce que moi, je peux pas me faire de... Je peux plus toucher Damned dans le dos donc donc autant en profiter, autant hein. En profiter, c'est clair. Du coup le sanglier qui va jouer c'est celui qu'on voit pas, donc il y a des chances qu'il aille charger sur Damned. Mais il est où? Bah il est là normalement. Non, il s'est caché là, ouais. Ah, il a couru jusqu'ici et il a disparu. Ah voilà. Ah bah il est là. Il suffit qu'il meure avant. Bah oui, pour ça que je vous ai fait des points. Ça va peut-être être chaud quand même avant. Hein. Ils ont quand même beaucoup de PV les sangliers un peu avancés. Ouais. Ah, il reste un vieux 2 PV quoi. Quel con. Bon bah voilà. Ah j'ai pas fait gaffe que je m'engageais du coup. Ah oui. J'aurais dû y aller avec Gaelden. Ah du coup je chope de dos. Pour le fun, hein. Ça crame un point et ça en génère un. Hop, c'est cadeau. Comme ça, t'es plus engagé. Même t'en génères deux. Ouais, j'en génère deux. Ouais. Parce que t'as le buff. Regarde, arrive. Ah, ce bruitage.
Bah, il est un peu plus intense, quoi, voilà. Ah oui, c'est sûr que c'est un peu plus intense. Ouais. T'as personne d'autre, hein. Oh, oh là là, la violence. C'est ouf, quoi. On peut tout gagner avec des persos comme ça. Ah, frère, c'est vrai qu'il faut pas qu'il se fasse engager, hein, Gaelden, mais... Avec les autres en support, pouah, quoi. Ah, il faut one shot là. Parce que sinon, GG. Bien joué. Quand t'as besoin de one shot quelqu'un, tu me demandes. Hein. Ouais, c'est quand même nettement plus large sur le cuir. Hein. Rien à faire. Ouais, non, j'avoue, là, d'un coup, on en a beaucoup plus, quoi. Alors attendez, j'ai un petit niveau avec le signe. Capitaine, le signe noir, le mur. T'as les perches et le brochet à récupérer d'Amned dans l'inventaire partagé. Alors, du critique, c'est un peu naze. Un peu de volonté, ça pourrait être pas mal. J'ai pas de cuisiner encore le poisson, mais... Non, mais comme c'est toi qui gères la bouffe... Oui. Évidemment. Permet de renforcer le moral de la troupe pendant les combats. C'est bien pour un capitaine, ça, non? Je sais pas si ça a vraiment un effet, en vrai. Mais... Oh, dans l'idée, c'est cool, hein. Allez, on va prendre ça. Et à 15 points, si jamais je dois mourir, je survis une fois. Ça peut être pas mal pour un tank quand même, quoi. C'est pas faux. Alors du coup, t'as dit qu'il fallait qu'on court là-haut. Faut qu'on continue la route. Y a un truc ouais, parce que lui, il connaît déjà tout le jeu, donc forcément... Mais trop bah, ouais, moi j'essayais de pas trop en dire, quoi, mais avec ce que ouais, lui, il va direct nous amener à tous les bons plans, là. Non, franchement, il y a que celui-là. Ah bah si c'est le mec à droite, il a pas l'air frais pourtant. C'est ça. Marie a été mordu par un rat pestiféré alors qu'il coupait du bois. Et bah voilà les Tulls, ils sont là. Depuis j'ai du mal à rassembler de quoi le nourrir. Il se trouve qu'on a justement des petits remèdes. Ouais, c'est bizarre, hein, comme par hasard, Gaelden nous avait dit d'acheter un remède. C'est vraiment un coup de chance. J'ai entendu ce que ma femme vous a dit. Elle a raison, je vais finir par m'en prendre à elle. Faites ce que vous avez à faire. Ah merde. Ah non, c'est... Alors c'est Damnette qui va pouvoir le faire. Ah, il faut de la viande de loup. Non, il faut du porc. Il faut de la... C'est un carnivore. Ah d'accord, bah tiens. Cadeau, Taurus. Ah oui, toi, voilà. Il te demandait du porc, nous demandait de la viande de loup, tiens. Tiens, il y a du chanvre, là. Hop. Ah ouais, bah écoute. Et voilà. Bah, un mec et de donc... plus pour Damnette. Et donc maintenant, tu veux... Et tu oh la brute donnes... Oh la l'arme de brute qu'il a. Tiens, et tu peux lui donner ça, à mon avis il sera encore plus fort. Je t'ai mis dans l'inventaire. Attendez. Il y a un traité sur la peste à voler là. Ah ouais. C'est un peu salaud mais. Peut-être qu'elle va nous le donner si on lui demande gentiment. Ouais. Non, elle est juste triste. Ok, il est carnivore. Je laisse Damned terminer puis j'ai un coup. Ouais, dis-nous un petit peu ce qu'il fait Damned là. Bah, il est carnivore, c'est tout. Il a 8 en force, 6 en dexté, 15 en consti, 10 en volonté. Et il a de base une. C'est un guerrier niveau 4. Ah ouais. Et de base, il a une vieille hache à deux mains. Mais je t'en ai mis une bonne dans le. Un peu mieux, ouais. Ah oui, c'est plus joli, oui, effectivement. Putain, là, c'est la violence de la hache quand tu la vois. Point d'aptitude. Alors, niveau 2, il peut être berserker, bourreau ou sentinelle. Ok, tous les alliés gagnent riposte avec sentinelle. Non, non, il faut le mettre en berserk. Ouais. Mets-le en berserk. Mais ouais, si tu tapes à deux mains, je suis pas sûr que ça soit pertinent. Ah ouais, okay. Putain, j'avoue. Et je pense que la petite armure que j'ai mise là, elle le fera bien aussi. Ok. Posture défensive, je suis pas sûr que ce soit trop le délire, mais bon. L'unité gagne déviation si elle est engagée. Ouais, c'est vraiment un très bon DPS. À chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, non? Ouais, plus... c'est ce que j'allais te dire, c'est peut-être mieux, ouais. Ouais, parce que engager c'est pas le délire, si j'ai bien compris. Et voilà. Alors les points, ouais, j'imagine qu'il faut monter la force, hein. Ouais, mais force critique. Un petit peu de mouvement aussi, peut-être, parce qu'il faut que tu tapes des... Et je propose que tu le passes bûcheron, qui lui donnera un point de plus en force. Ouais, pourquoi pas. Ça. Je vais lui donner okay. La force... Ah bah, tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Et tu dirais un peu de mouvement, ouais. Hésite pas, ouais, voilà, cramer de l'influence. C'est bon, j'ai mis 2 points force en payant 1. 2 points critiques, c'était offert. Et 2 points en mouvement en payant 1. Parfait.
propre. Et ouais, je vais lui rajouter sa petite armure, comme vous disiez. Voilà. Bon, allez, après cette maison, on arrêtera l'épisode. Taurus, comment je le renomme Taurus? Zmoisis. Oula. Ah oui, 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 oui. Comme le viewer. Alors ouais, je vais... pour pas mettre de chiffres, je vais l'écrire tout en lettres. Zmoisis, très bien. Voilà, c'est mieux que... Voilà. Bon, le crochet quand ça... Putain, le crochet quand ça lag, c'est la merde. D'accord. Je viens de... Je dirais que j'ai un chiffre dans mon pseudo, mais bon. C'est vrai, tiens. C'est la mise à jour qui a fait un truc. Non, non, c'est mon pseudo classique. Ah oui, mais dans le jeu, tu l'as pas mis? Si, je l'avais mis. Eh, c'est la loose complète. J'ai jamais perdu autant de... Ah bah, t'as jamais été autant mauvais de ta vie? Ah ouais. Il y a bien la peine que j'en refasse. Hein. Ah bah là, tu peux en faire, je peux te dire. Le rostre de moustique. Du vin, du tissu, un recueil de prières. Bah, je pense que le rostre et le vin, c'est pour Damned. Ouais, c'est pour Damned. Rostre de moustique, mais c'est dégueulasse. Ok. Bon, et donc, il y a un coffre. Il y a un traité sur la peste qui est plutôt sympa, mais si je le vole, ça va nous faire passer en... Le volet, c'est 55 à 95. Donc ça risque fort de nous faire passer en... Ouais, donc on va se calmer un peu, ouais. En niveau 1. Donc, on va pas commencer à se fight. En plus, il faut qu'on retourne voir la bourgmesse pour notre quête, là, donc on va pas se... Ça vaut pas le coup, on repassera hein, quand on aura baissé. Il y a pas du chanvre à choper aussi. Je l'ai chopé déjà. Allez, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu du coup et on accueille Zmoisis dans l'équipe. Bienvenue. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Wouhou! J'ai pas de son pour ça. Un petit son, t'as pas de son pour ça? Bon bah tant pis. Bah non, je vais avoir le... Voilà. Ouais, bon, ça le fait. Allez, merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Bisous tout le monde. Bisous.